problèmes de biodiversité et des forêts tropicales, qui, en sus de la représentation des Nations Unies, a vu la participation d'autres États de la région, tels que la République du Burundi ou la République du Kenya notamment. Il était question pour les différentes délégations présentes à ces assises de définir des stratégies communes visant à rehausser nos actions contre le changement climatique, la déforestation et la perte de la biodiversité. L'enjeu majeur consistait entre autres à renforcer le mécanisme de coopération sud-sud entre les trois bassins afin de mieux défendre les intérêts des États dans les négociations climatiques telles que celles prévues dans le cadre de la COP28 prévue à Dubaï dans le prochain mois. Fort de sa position stratégique au sein du bassin du Congo, ainsi que de ses ressources naturelles nécessaires pour la transition écologique mondiale, la République démocratique du Congo a réaffirmé au cours de ce sommet son leadership environnemental et climatique naturel. Le président de la République a eu l'occasion de décliner les orientations stratégiques en matière de gouvernance de forêt, de mobilisation des financements actuellement poursuivis par le gouvernement. Il s'agit notamment d'assurer une gestion durable des forêts, tout en tenant compte de l'amélioration des conditions de vie des populations locales qui vivent dans la forêt, de la forêt et dans la forêt. En matière de financement, il a plaidé pour la diversification de sources de financement climatique, entre autres, les développements d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable de nos écosystèmes forestiers. Ces discussions ont été sanctionnées par une déclaration des chefs d'État appelant notamment au renforcement de la coopération entre les trois bassins, au développement des solutions ad hoc sur le plan institutionnel, diplomatique, juridique, scientifique, technique, technologique, adapté aux défis spécifiques de chaque État et de chaque bassin, à la mobilisation financière et le développement des mécanismes de financement traditionnels et innovants. Le président de la République a pour ce faire appelé les gouvernements dans une approche transversale à assurer une meilleure préparation technique de la participation de notre pays à la grande messe du climat prévue le 28 novembre prochain à Dubaï. Enfin, le président de la République, en marge de ses assises de Brazzaville, eut une séance de travail avec son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye, avec qui ils ont fait le tour sur les questions majeures relevant de la coopération bilatérale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement et l'appropriation par le gouvernement du front judiciaire international engagé dans le cadre de crimes et violations graves de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans la situation particulière d'agression que connaît notre pays dans sa partie orientale, notamment par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, il est clairement établi que plusieurs crimes graves, odieux et crapuleux sont perpétrés contre nos populations civiles. La destruction et les pillages de notre faune, de notre flore et de nos richesses, et ce, en violation des règles fondamentales du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme. Revenant sur sa communication au segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme le 27 février 2023 à Genève, le président de la République avait pris l'engagement de rompre le sceau de l'impunité en rassurant que l'ensemble de ces crimes graves ne resteront pas impunis et que leurs auteurs ne pourront jamais trouver de sanctuaire, encore moins d'excuses, pour répondre de leurs responsabilités. C'est dans cet ordre qu'il a insisté sur la nécessité de considérer avec urgence un nombre d'initiatives prises à cette fin, notamment l'institution sous l'autorité de la ministre et d'État ministre de la Justice, d'une task force chargée de coordonner les initiatives d'enquête et des poursuites des auteurs de crimes graves à l'international devant les juridictions internationales, la signature à Kinshasa entre la ministre et d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux et les procureurs de la Cour pénale internationale du mémorandum de coopération en marge de sa visite dans notre pays, la participation de nos plénipotentiaires à la conférence diplomatique de Ljubljana en Slovénie pour négocier et adopter une convention, internationale multilatérale sur la coopération en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre
et autres crimes internationaux. L'étude de la demande faite au gouvernement par le secrétariat du Fonds des contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture d'intégrer les groupes des amis du dit fonds afin de garantir un accès aux organismes de la société civile venant en aide aux victimes des actes barbares à ces ressources additionnelles. Par ces initiatives, au-delà du front militaire et diplomatique, le président de la République a aussi engagé le gouvernement dans un front judiciaire international contre ces criminels terroristes et leurs auteurs intellectuels par l'ouverture de plusieurs procédures judiciaires afin que justice soit rendue à nos victimes et à notre mère patrie. Il a rappelé que la note d'information de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, lors du deuxième conseil de ministres du mois d'octobre 2023, avait fait état des différentes actions et de l'état de procédure, au nombre desquelles les dépôts en mai 2023 au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, de la plainte pour laquelle la Cour a déjà constitué la chambre préliminaire devant l'examiner, la saisine en août 2023 de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples en rapport avec les violations graves et massives de droits de l'homme commises par le Rwanda et ses supplétifs, avec une demande d'examen de la requête à procédure d'urgence, la saisine en septembre 2023 de la Cour des justices d'Afrique de l'Est avec des demandes de mesures conservatoires tendant à obtenir la cessation des faits illicites par le Rwanda sur notre territoire. Le président de la République a précisé que ces fronts doivent être soutenus tout autant que les fronts militaires et diplomatiques. Il a chargé les premiers ministres de coordonner sans délai avec le ministère des Affaires étrangères, de la Justice et Garde des Sceaux, budget des finances, l'appui nécessaire du gouvernement afin de répondre aux exigences d'ordre temporel, technique et matériel que requiert cet engagement. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la clôture du mois d'octobre dédiée à l'entrepreneuriat et du rappel de sa vision pour ces secteurs stratégiques. Avec beaucoup de satisfaction, le président de la République a clôturé le mois d'octobre 2023 en inaugurant la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation le 30 octobre dernier. Par la même occasion, une rencontre a été organisée dans la soirée avec les jeunes entrepreneurs en vue d'échanger sur le fonctionnement et leurs activités. Cet échange lui a permis de s'apercevoir des résultats qui ont été atteints grâce aux politiques publiques menées par le gouvernement, traduisant sa vision dans ces secteurs. Le président de la République a la ferme conviction que le potentiel économique de notre pays, ainsi que notre décision de valoriser pour un développement harmonieux des populations, doivent nous permettre de susciter des millionnaires congolais qui s'émancipent et s'enrichissent par le fruit de leur travail et leur leadership entrepreneurial qui favorisera la création de la richesse nationale dont il incombera aux dirigeants publics d'en assurer une redistribution plus juste et plus équitable, conduisant ainsi notre pays à l'émergence grâce à l'élargissement de sa classe moyenne. C'est pourquoi il a rappelé que sa vision pour atteindre ses objectifs s'articule autour de quatre axes, à savoir la facilité de l'accès au crédit pour tous les entrepreneurs, le renforcement des capacités des entrepreneurs et la vulgarisation de l'information concernant l'activité des PME et PMI, la disponibilité des opportunités d'affaires et la mise en place d'un environnement des affaires beaucoup plus incitatif. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'il a enregistré au cours de cette soirée dédiée à l'entrepreneuriat les doléances et autres requêtes formulées par les entrepreneurs. À cet effet, il a relevé celles et entrées, notamment au renforcement des financements des structures d'accompagnement, à la recherche d'une solution au processus des décaissements des fonds en faveur des entrepreneurs, à la codification de marchés en français, à l'implantation du guichet unique de création d'entreprises dans toutes les provinces du pays, à la publication de marchés par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, sur un site officiel pour information, à l'abolition de tracasseries administratives et fiscales, à la diminution du poids de la fiscalité, à l'accès au marché par les biais des signatures de contrats commerciaux pour sécuriser le flux des trésoreries de ces entreprises. C'est dans cette perspective qu'il a instruit
l'ensemble de ministres concernés, chacun dans l'exercice de ses prérogatives, d'intensifier la mise à disposition des fonds à accorder aux structures d'accompagnement telles que le FOGEC, l'ANADEC, les Fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes en vue d'engendrer de subventions venant de l'État en faveur de jeunes entrepreneurs. Dans la même vision, il a interpellé les entrepreneurs à s'acquitter de leur devoir patriotique, à savoir le paiement d'impôts et taxes, tout en promettant un effort de la part de l'État dans la rationalisation de la fiscalité, ainsi que dans la lutte contre la multiplicité des contrôles. S'agissant de tracasseries administratives et fiscales, le président de la République a réitéré son engagement à améliorer les climats des affaires, d'une part, par les bannissements de comportements tracassiers arbitraires de nos administrations, et d'autre part, par la limitation de contrôle auprès des entreprises aux seuls services compétents et dans le strict respect des procédures applicables en la matière. Tous les ministres sectoriels concernés ont été instruits de s'approprier ces questions en prenant diligemment les mesures et textes réglementaires requis en vue d'accompagner l'effectivité de ces requêtes. Par la même occasion, encourager la consommation locale de produits d'entreprise promus par les entrepreneurs locaux. Le Premier ministre chef du gouvernement a été invité à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations soulevées par toutes les parties prenantes, plus particulièrement à combattre le tracasserie de tout genre. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a fait le point au Conseil de sa mission d'itinérance qu'il a effectuée le week-end dernier dans les provinces de Haut-Ouélé et de Bas-Ouélé, où il a eu l'occasion, avec le membre du gouvernement qui l'ont accompagné, d'échanger avec les différentes populations sur leurs principales préoccupations, portant notamment sur la sécurité aux frontières, l'approvisionnement en eau et en électricité. Le Premier ministre a aussi profité de son séjour pour faire le point de l'évolution des travaux du programme local de 145 territoires qui évolue plutôt à un rythme satisfaisant. Le Premier ministre a aussi fait mention de la volonté du gouvernement de la République d'accompagner la province de Haut-Ouélé, province chère à la bienheureuse Anuarite Nengapeta, dans la préparation des différentes activités marquant la commémoration du 60e anniversaire de sa disparition. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population, et demeuré généralement calme durant la semaine qui s'achève, a été marqué par sa satisfaction à la suite du discours du président de la République, chef de l'État, en marge des assises sur le trois grands bassins forestiers mondiaux tenus à Brazzaville, République du Congo, le samedi 28 octobre 2023. L'opinion nationale a approuvé l'appel du chef de l'État à la sincérité et à la dénonciation de l'hypocrisie qui caractérise les relations internationales. Les commentaires en sens divers de l'opinion concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant toutes les candidatures à la présidentielle et la validation de deux nouvelles autres portant ainsi les nombres de candidats aux élections présidentielles à 26. À propos du processus électoral, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a passé en revue le dossier relatif à la sécurisation des élections et a rassuré que les dispositions sont prises par les gouvernements quant à ceux. Toujours sur ce chapitre sécurité, le vice-ministre de la Défense, représentant le vice-premier ministre en mission, a quant à lui porté à la connaissance du Conseil la situation opérationnelle dans l'ensemble du pays, ainsi que l'activisme des troupes rwandaises avec leurs supplétifs du M23 dans la province du Nord Kivu principalement, ainsi que les différentes dispositions qui sont prises par nos forces armées pour contenir ces forces terroristes. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté au Conseil l'évolution de la situation récente sur les marchés de change ainsi que celui des biens et services. Il a abordé le chapitre portant sur la conjoncture mondiale qui est caractérisée par des inquiétudes sur les développements économiques et les redressements à court terme, amorces brouillées par les facteurs de vulnérabilité.
Elle a indiqué qu'au niveau national, la stabilité relative du cadre macroéconomique se heurte aux effets cycliques relatifs à la fin de l'année. La croissance du PIB réel de l'économie congolaise est estimée à 6,2% en 2023 et projetée à 6,4% en 2024 contre une réalisation de 8,9% en 2022, soit un niveau supérieur à celui de la croissance de la région située à 4%. L'inflation hebdomadaire s'est accélérée de 0,042% par rapport à la semaine précédente, s'établissant à 0,25% au cours de la semaine sous analyse, amenant le cumul annuel à atteindre 18,9%. La récente révision à la hausse du prix du carburant à la pompe explique notamment cette situation. Au 27 octobre, les marchés d'échange ont été marqués par une dépréciation de la monnaie nationale de 1,8% à l'indicatif après une appréciation de 1,6% la semaine précédente. Au marché parallèle, le franc congolais s'est apprécié de 0,4% après une dépréciation de 1,3% notée la semaine précédente. Les taux indicatifs et au parallèle se sont respectivement établis à 2598,45 francs congolais et 2590,50 francs congolais pour le dollar américain. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé les suivis continus des mesures de stabilisation prises par les autorités, la mise en place et l'exécution des politiques de diversification de l'économie, ainsi que la poursuite des réformes économiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Revendication des transporteurs routiers des camions remorques. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a fait part au Conseil du rapport sur l'évolution des échanges engagés depuis septembre 2023 avec la corporation de transporteurs routiers qui avait décrété un mouvement de grève et a entraîné une perturbation de produits de première, un approvisionnement de produits de première nécessité sur le marché. Les discussions conjointement menées avec le ministre de Transport, Voie des communications et des désenclavements ont permis au gouvernement d'identifier les mesures urgentes susceptibles de résoudre durablement les préoccupations des routiers et déboucher sur la levée de la grève et la reprise du trafic sur la route nationale numéro 1. Une réunion de haut niveau est prévue le mardi prochain qui permettra d'avoir la réunion tripartite réunissant le ministère du Travail, le ministère de Transport ainsi que les délégués syndicaux, les transporteurs. Tenue du dialogue sur le financement des développements, la ministre d'État, ministre du Plan, a présenté au Conseil la note d'information relative à l'information sur la tenue du dialogue sur le financement des développements prévue du 6 au 8 novembre 2023 à Kinshasa. Cette initiative du gouvernement, appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement, vise à évaluer les financements potentiels à mobiliser pour combler les besoins de développement et compléter les stratégies sectorielles et globales des cadres opérationnels. Les parties prenantes pourront procéder par une analyse détaillée des perspectives des politiques de mobilisation de financement public et privé et des structures institutionnelles des financements et des développements mises en place. Ces dialogues permettra à la République démocratique du Congo d'identifier des opportunités, notamment des mobilisations de ressources financières supplémentaires et des moyens d'utiliser les ressources financières existantes plus efficacement pour atteindre les objectifs fixés dans les PNSD axés sur les EDD. Avant de clore son propos, la ministre d'État a passé en revue la feuille de route, les termes de référence, l'agenda indicatif ainsi que le projet du manuel de dialogue. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes relevant du secteur de finances publiques, la vice-ministre des Finances a présenté deux notes d'information aux membres du Conseil. La première, portée sur le projet de feuille de route 2023-2024 pour le renforcement de la gouvernance des investissements publics en République démocratique du Congo, et la seconde, portée sur la récapitalisation de la Banque centrale. S'agissant de la première note d'information, la vice-ministre a indiqué que la dite feuille de route pour le renforcement de la gouvernance des investissements publics est structurée en trois parties, à savoir les avancées dans l'amélioration du système de gouvernance des investissements publics, le programme de réforme du système de gestion des investissements publics ainsi que les conditions de succès pour l'aboutissement de réformes y inscrites.
Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel présentant par axes les prérequis ainsi que le chronogramme de mise en œuvre des actions de réforme prioritaires estimé à 1 651 millions de dollars américains. C'est une réponse adaptée aux problèmes épaisanteurs qui limitent l'expansion dynamiquement vertueuse à la fois quantitative et qualitative des investissements publics en République démocratique du Congo. Quant à la seconde note d'information, la vice-ministre a d'abord rappelé que la loi numéro 18/027 du 18 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo dispose en son article 6 que le capital social de la banque s'élève à 213 milliards de francs congolais. Il est entièrement souscrit par l'État et libéré suivant les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Or, à 6 jours, le capital social de la Banque centrale du Congo s'élève à 60 francs congolais. Partant, le gouvernement tient à l'augmentation de 212 999 940 francs congolais pour atteindre 213 milliards de francs congolais prévus par la loi organique suisse évoquée. La vice-ministre des Finances a présenté aussi aux membres du Conseil les modalités de cette recapitalisation convenue avec la Banque centrale qui devrait se faire sur 2 ans, soit de la période 2024-2025. Il est question ici de renforcer l'indépendance financière de cette institution. Il a sollicité la prise d'acte du gouvernement pour la signature conformément au programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie des crédits du FMI de la convention portant recapitalisation de la Banque centrale du Congo. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Note d'information relative au secteur de sport et des loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté aux membres du Conseil l'état d'avancement de certains travaux de son ressort. Il s'agit essentiellement des travaux de construction des stades et centres sportifs à travers le pays. À court terme, 4 stades en province sont ciblés. Les stades de Bouta dans les Bazuélé, les stades Lumumba de Kisangani dans la Tchopo, les stades Ndaye Moulamba de Kananga, les stades Kachala Bonzola de Mbujimai. À ce sujet, il a indiqué qu'un budget trimestriel a été mis en place par le gouvernement pour le financement de ce projet, conformément à un plan de décaissement en vue de respecter les échéances prévues 2023-2024. Des solutions de financement dans les cadres de partenariats publics-privés sont aussi en examen pour ces différentes infrastructures. Les stades de Lumumba de Matadi, celui de Kenge, celui de Massimani et celui de Bondo Abumba sont également répertoriés parmi les stades prioritaires à construire. Sur un autre chapitre, le ministre des Sports a informé le Conseil que la République démocratique du Congo a été élue à la tête de la région 3 de la réunion de Conseil de ministres des Sports de l'Union africaine tenue du 17 au 19 octobre dernier à Brazzaville. C'était lors de la première session ordinaire du comité exécutif d'experts région 3 des développements du Conseil sportif de l'Union africaine. Notre pays devra ouvrir un bureau de représentation région 3 à Kinshasa et programmer les premiers Jeux de la région 3 en 2025. Dans la même perspective, la République démocratique du Congo s'est positionnée comme pays organisateur des 14e Jeux africains en 2027. Le dossier a été reçu et une délégation de l'Union africaine effectuera prochainement une visite de nos installations sportives. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 116e réunion tenue le vendredi 27 octobre 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 3 textes présentés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, portant notamment sur la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques, d'évaluer en permanence l'état des préparations aux risques et de veiller à la mise en œuvre de mesures d'information et d'alerte fournies par les services attitrés pour protéger les populations, de sauvegarder leurs biens et l'environnement. Donc c'est des textes qui visent à permettre au gouvernement d'organiser et de coordonner la gestion de catastrophes naturelles. Le premier concerne le projet des décrets portant statut du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo.
Le deuxième projet de décret portant organisation de la protection civile en République démocratique du Congo est le dernier projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Direction générale des secours et d'incendie. Après débat et délibération, ces trois projets de décret ont été adoptés. 2. Projet d'arrêté interministériel fixant les mécanismes de mobilisation des fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner dues aux sociétés pétrolières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis pour examen et adoption le projet d'arrêté interministériel fixant les mécanismes innovants de mobilisation de fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner dues aux sociétés pétrolières. Ces textes ont l'avantage d'éviter au pays la rupture d'approvisionnement en produits pétroliers. Il tient donc aussi compte de la délicatesse de la période de fin d'année. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a passé en revue les modalités de ces mécanismes de paiement par les banques commerciales pour le remboursement progressif de la créance due à la profession pétrolière, tout en soulageant la pression exercée sur le trésor public. Les 10 mécanismes ont été convenus avec les banquiers et les pétroliers et ont été enrichis des avis techniques du Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme. Il a été complété par la vice-ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures. Après débat et délibération, ce projet d'arrêté a été adopté. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Le vice-ministre de la Justice a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 13 novembre 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Deux projets de décret relevant du secteur des affaires sociales. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a soumis au Conseil deux projets de texte, à savoir le projet des décrets fixant les conditions d'obtention des facilités administratives, fiscales et douanières spécifiques aux organismes de droit privé qui promeuvent la personne avec handicap, et les projets des décrets portant organisation et fonctionnement du Fonds national d'appui à l'autonomisation et accessibilité des personnes vivant avec handicap. Le premier texte est une mesure d'application de la loi organique promulguée en 2022, laquelle prévoit dans son article 27 la prise d'un décret pour déterminer les modalités d'octroi des facilités administratives, douanières et fiscales aux organismes de droit privé qui promeuvent la promotion des personnes vivant avec handicap. Il s'agit d'une mesure incitative de partenaires et autres acteurs à appuyer les efforts d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap. Le second texte promet le recours à un partenariat constructif impliquant le gouvernement, les secteurs économiques publics et privés en vue d'appuyer l'autonomisation et l'accessibilité des personnes avec handicap dans notre pays. Ainsi, le Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes vivant avec handicap prévu par l'article 5 de la loi organique est un établissement public à caractère social et technique jouissant d'une autonomie financière et administrative. Il est une réponse à la problématique de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de décret. Commencé à 14h11, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h03. Je vous remercie. Du peuple, l'Union pour la démocratie, le progrès social, UDPS Kibasa et son autorité morale, Augustin Kibasa Maliba, en congrès ce samedi 4 novembre 2023 à Kinshasa. Cadres et militants du parti venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo se réuniront au chapiteau impérial à Strong dans la commune de la Gambé. Au programme, la révision de quelques articles des statuts du parti, élection du président national et des 4 vice-présidents, entérinement des listes des candidats aux prochaines élections et désignation du candidat du parti à la présidentielle de décembre 2023. Thème, refondation et consolidation des acquis. Cordial, bienvenue. Allons tout au tribalisme.
protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué.